Le gouvernement du Congo est en train de construire le plus grand campus du continent africain. L'université Denis Sassou Nguesso, en chantier dans la zone de Kintele, aura plus de 250 000 m² d'air de bâtiment et lorsqu'elle sera prête, va recevoir plus de 40 000 étudiants dans 4 000 campusards. Dans les 25 bâtiments du campus, seront logés un centre de recherche scientifique, une bibliothèque centrale et trois installations sportives olympiques avec certification. Les chambres du village olympique, qui accueillera les athlètes de 54 pays pendant les Jeux africains, après la compétition, seront la maison des campusards. C'est un autre projet important qui démontre la préoccupation du gouvernement congolais à la qualité de l'éducation pour nos jeunes. Djambo ngo ki le djambo ya mbote puisque mon aussi mou vumbuka na 3h du matin. Na goku de place na amphi ya fac de droit na dojo. Mais ya ke mambo vraiment ya mbote. Moi je suis étudiant. Le gouvernement s'il investit sur l'enseignement supérieur, je serai très content. Bon, je dirais que c'est une bonne chose. Déjà vu la conception et la pensée qu'on a offert aux Congolais, c'est une meilleure chose. Et l'université Denis Sassou Nguesso, en quelque sorte, va permettre à ce que l'enseignement supérieur soit davantage boosté dans notre pays. Parce qu'on dit que le travail libère. Et quand les gens ils étudient, c'est pour que demain, qu'ils se sentent bien à l'aise. Le Congo doit surtout investir dans la jeunesse. Maintenant, vous le savez, le travail ne peut pas s'arrêter.